Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un sujet difficile, compliqué, qui soulève souvent beaucoup de polémiques et de passions, et en même temps qui concerne tellement de gens. On va le voir, hein, pas simplement les personnes atteintes de cancer du sein ou de la prostate, mais en fait, on va le voir, ça concerne quasiment tous les cancers, même si ce sera avec moins d'importance. Donc ça intéresse vraiment tout le monde, cette réflexion autour de l'hormonothérapie, vous verrez. Je vous invite à suivre ces trois épisodes. Le premier, on va vraiment se faire un focus sur les médicaments, les traitements allopathiques qui traitent de l'hormonothérapie. Et puis ensuite, on verra dans l'épisode 2 plutôt, tiens, comment on peut agir soi. Et dans l'épisode 3, on poussera un peu plus loin avec des exemples comme celui du soja que j'ai mis d'ailleurs sur cette diapo à droite, hein, qui fait tant polémique et qui... à l'image de certains médicaments, sont décriés alors que justement, ils sont très intéressants. Les hormones, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas faire un cours, mais simplement cette image pour illustrer que souvent, ça part de l'hypophyse qui est ici, cette petite glande, qui est un chef d'orchestre et qui va envoyer ses signaux à partir d'un messager qui passe dans le sang. Et c'est ça une hormone, un messager qui va diffuser à travers le sang pour aller vers une cible, des cellules, un organe. Voilà. La vitamine D peut être considérée comme une hormone, parce qu'elle a un rôle de vitamine, mais au-delà de ça, elle régule des gènes. Elle va dans les cellules pour réguler les gènes. Donc, des substances qui sont sécrétées dans le sang. Là, vous voyez, par exemple, qui vont stimuler le rein, la thyroïde, hein, pour les hormones thyroïdiennes. Le testicule, c'est la testostérone. Pour les ovaires, c'est... Donc, il y a une stimulation par l'hypophyse, et puis il y a une sécrétion par l'organe. Et donc la stimulation par l'hypophyse, c'est par exemple pour la thyroïde, la TSH, thyroïde stimulating hormone. Et puis en réponse, la thyroïde fabrique les hormones thyroïdiennes. Donc c'est simple et c'est très spécifique. La question qu'on se pose nous en cancérologie à chaque fois, c'est on analyse, on fera un cours sur qu'est-ce que le cancer, on y reviendra. Mais là, en résumé, rapidement, une cellule... On l'analyse, imaginez que c'est une cellule cancéreuse, on regarde qu'est-ce qu'il y a à sa surface, les récepteurs qui la couvrent, et qu'est-ce qui font qu'elle a une particularité, elle arrive à se nourrir des facteurs de croissance plus facilement que les cellules saines. Et bien là, par exemple, voilà, on analyserait, en voyant la cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'il y a à la surface de la cellule, qu'est-ce qui est signifiant et qui peut faire qu'elle a un excès de stimulation, de prolifération. Et par exemple, ça peut être les récepteurs hormonaux. Et donc là, vous avez ces fameuses caractéristiques biologiques du cancer, hallmarks, on dit en anglais. Vous les voyez symbolisées autour de ce cercle. Et il y en a plusieurs. Hein. Je les passe rapidement. La capacité d'échapper à l'infini. En fuchsia, en turquoise, la réplication à l'infini. En orange, l'inflammation. En noir, la capacité à envahir les autres tissus. En rouge, la capacité de fabriquer des vaisseaux sanguins, l'angiogénèse. En bleu, le fait qu'il y ait beaucoup de mutations qui caractérisent ces cellules cancéreuses, donc de nouvelles propriétés. Mais ça peut être non seulement des mutations, mais ça peut être aussi une hyperexpression des gènes différentes en fonction de l'environnement, donc l'épigénétique qui est modifiée. En gris, l'échappement à l'apoptose, la mort programmée de la cellule. En violet, le détournement de l'énergie, donc par exemple notamment le métabolisme du sucre, mais pas que, hein, des protéines, des graisses. En vert, la capacité à capter les signaux, et c'est ça qui nous intéresse ici dans l'hormonothérapie. Oui, l'hyperexpression des récepteurs hormonaux est pour la maladie un facteur de croissance qui est très important et qui parfois est tellement important qu'elle en est addicte, qu'elle en est dépendante, et si vous l'en privez, elle va dépérir. Et plus elle dépend d'un facteur, et mieux c'est, bien entendu. Mieux c'est pour contrer la maladie. Et en marron, c'est la capacité à échapper aux signaux d'anticroissance. Un exemple dans le cancer de prostate bien connu. Ah ben, tiens, puisque c'est comme ça, puisqu'il n'y a plus d'hormones, eh bien je vais me fabriquer des hormones. C'est un mécanisme qu'elle peut mettre en place. En tout cas, elle ne répond pas aux signaux d'anticroissance. Et c'est une caractéristique des cellules cancéreuses. Donc là, dans ce spectre de ces 10 caractéristiques majeures qui caractérisent les cellules cancéreuses,
quand on parle de cancer hormonodépendant, on parle de cancer qui dépendent du ver, là, c'est-à-dire cette capacité à répondre au stimulus que représentent les hormones. Et en niveau de la médecine, on a tout simplement imaginé, tiens, en face de ces vers, je vais mettre un inhibiteur du ver. Eh bien, les voici. Pour les anti-œstrogènes chez la femme, il y a le tamoxifène, torémifène, c'est Evista, et puis le Faslodex, nouvelle génération. Ensuite, vous avez les anti-aromatases qui, eux, ne vont pas être des anti-œstrogènes, mais empêcher le corps pour fabriquer les hormones, on va le voir dans d'autres schémas. Donc, c'est plutôt anti-fabrication d'hormones. Et c'est anastrozole, exemestane, létrozole, les plus connus qui sont des années 2000. Chez l'homme comme chez la femme, on peut faire aussi une castration. Plutôt d'empêcher la production, on peut la bloquer complètement. Et là, c'est ce qu'on appelle une castration. Elle peut être chirurgicale. On peut bloquer et détruire les testicules ou les ovaires par radiothérapie. C'est assez simple. Ça se fait peu, mais c'est une possibilité qui s'était utilisée avant. Et puis des analogues, c'est-à-dire on va tellement utiliser la même technique que l'hypophyse, sécréter l'analogue à l'HRH, qui va aller vers ou le testicule ou les ovaires. En fait, en sécrétant abondamment, on crée un blocage. Et donc là, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est transitoire. Vous injectez tous les mois ou tous les trois mois votre produit, il bloque pendant le temps de son action. Et c'est réversible. Donc par rapport à la chirurgie, l'avantage, c'est que c'est réversible. Et chez les hommes, eh bien, on a aussi la même chose que les anti-œstrogènes, les anti-androgènes. Hein, donc il y a des premières, deuxième génération. Et de la même manière qu'on peut bloquer, diminuer la fabrication d'hormones par les graisses, eh bien, on peut mettre aussi des inhibiteurs de la biosynthèse de la même manière. Plusieurs façons d'agir, encore une fois. Comprenez qu'on peut utiliser ces différentes techniques, voire les associer. Ces médicaments, donc là, si on résume les choses, l'approche médicale, vous l'avez résumée ici, sur ce schéma. Si vous retenez et comprenez ce schéma, vous allez tout comprendre. En haut, les hormones viennent soit de la pollution, les perturbateurs endocriniens, et bon, il y en a malheureusement beaucoup, et c'est finalement la pollution la plus importante qui soit. Les ovaires ou les testicules qui fabriquent les hormones. Et donc là, on va parler des œstrogènes, excusez-moi, mais parce que, de toute façon, c'est commun avec l'homme. Sauf, bien sûr, les ovaires, hein, qui ne fabriquent pas chez l'homme, c'est les testicules. Par contre, nous avons des graisses, de la graisse, et plus il y a de graisse chez l'homme, et plus, comme chez la femme d'ailleurs, on va fabriquer d'hormones à partir des graisses. Les graisses fabriquent des androgènes, des hormones masculines, et à partir de ça, on va le transformer en hormones féminines. Et tout ceci fait le pool de ce que vous voyez au centre, sur le schéma, les œstrogènes. Et l'allopathie a déclaré la guerre aux œstrogènes. C'est une bonne idée, bien entendu, mais on va voir, c'est dommage. On se bat contre tous les œstrogènes, alors que les œstrogènes sont bons. Hein, ils ont tous une fonction, c'est pas pour rien qu'ils existent. Hein, je rappelle, les œstrogènes vont nourrir la peau, elle va être douce, les cheveux soyeux, les muqueuses vont être bien trophiques, autrement dit bien nourries, bien souples. Hein, donc pour les rapports sexuels, c'est essentiel. Tous les tissus vont fonctionner et être nourris en partie. Vous voyez aussi, par exemple, avec la ménopause, on peut avoir des problèmes de miction, enfin de perte d'urine. On le voit très bien chez les animaux, hein, qui ont fait une castration, qui ont des problèmes après, hein, de perdre les urines. Ils maîtrisent moins bien leur vessie. Parce que la vessie est plus sèche, elle est moins élastique, moins plastique, le sphincter aussi. Tout, en fait, est nourri. Et on peut considérer que les œstrogènes sont comme des substances adaptogènes qui mettent de la souplesse, qui mettent un peu de l'huile, entre guillemets, dans les rouages, partout. Tout fonctionne mieux. Et le cerveau aussi. Hein, quand on donne l'expression « t'as tes règles » et que, en fait, les émotions sont mal maîtrisées. Hein, ça monte, ça descend. On n'arrive pas à faire d'un milieu, un juste milieu. Donc si on devait comparer dans une voiture ce que sont les œstrogènes, ce sont les amortisseurs. La route est bien plus agréable, on colle la route, il y a un trou, c'est pas grave, on le sent à peine. On va coller la route quand il y a un virage, voilà, et la route va être beaucoup plus agréable. Et si ça manque, tout fonctionnera moins bien. Après, tout dépendra aussi du mode d'alimentation que l'on a et de la façon dont notre alimentation, notre mode de vie va nous permettre de trouver d'autres choses que les hormones pour jouer ce rôle d'amortisseur. À partir de là, vous comprenez que les traitements anti-hormonaux vont venir perturber cela,
et leurs effets secondaires dépendra de cela. L'erreur de la médecine allopathique, d'une certaine manière, en se focalisant uniquement sur les œstrogènes, en déclarant que c'est les ennemis, c'est la même que pour l'histoire du cholestérol. Le cholestérol, on dit c'est dangereux, faut le baisser. Non, c'est le cholestérol oxydé qui est dangereux. Hein, si je vous prends des bonnes oméga-3, vous avez l'exemple des Esquimaux, ils mangent que des graisses, mais des bonnes graisses, avec des antioxydants, la vitamine E est très, très abondante. Dans leur alimentation, eh bien, ils ont des graisses qui ne sont pas oxydées, du coup, ils vont très bien. Pas de problème cardiovasculaire, pas de cancer. Par contre, dès qu'il y a trop d'oxydation, d'exposition aux polluants, et c'est le cas maintenant avec, malheureusement, la pollution des poissons, des gros poissons et des phoques, eh bien, ils ont des problèmes maintenant. Donc, on focalise sur le cholestérol, mais c'est le cholestérol oxydé, c'est-à-dire qui est attaqué par la pollution, qui est dangereux. De même pour les œstrogènes, ce n'est pas les œstrogènes qui sont dangereux. Suivez le mouvement, c'est les œstrogènes qui vont vers le foie, qui sont mal transformés par le foie et qui reviennent sous une forme génotoxique. Regardez le schéma, les flèches, vous voyez que ça passe par le foie, c'est éliminé. La voie 2, on en reparlera, elle est bonne. La voie 4 et 16 génèrent des hormones soit 4 à 20 fois plus actives, soit des hormones carrément dangereuses qui deviennent instables et qui sont de vrais polluants. Hein, qui vont agresser nos cellules et entraîner des mutations. Ça, c'est la clé à comprendre. Évidemment que fermer le robinet, c'est-à-dire réduire le volume d'hormones, c'est intéressant. Moins d'hormones viennent stimuler et elles sont présentes. Moins il y aura d'hormones qui vont nourrir les cellules cancéreuses. Moins il y aura d'hormones qui iront vers le foie et qui seront transférées en substances toxiques. Donc évidemment que c'est bien de fermer le robinet quand vous avez l'évier qui déborde. Mais n'oubliez pas de vider l'évier aussi. Et ça, c'est le travail qu'on verra, hein, qui est d'aider le foie à faire ce travail. On en parlera plus tard. Donc là, au niveau médical, comprenez l'histoire. On réduit le volume d'hormones, soit parce qu'on diminue la production. Vous enlevez les ovaires, plus de problème. Plus de production, 80% de production d'hormones en moins. Vous agissez sur les graisses, vous réduisez parce que vous faites de l'activité physique, vous maigrissez, vous avez moins de graisse, moins de production d'hormones. Vous comprenez bien pourquoi il y a plus de risques de récidive dans un cancer du sein s'il y a obésité ou pas d'activité physique. C'est une trivialité, d'une évidence, qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour le démontrer. Tout est montré là. Et si vous avez quand même des hormones, il y en aura toujours, elles vont ensuite nourrir, hein, c'est le schéma sur la droite de l'image, vous voyez qu'elle va nourrir les cellules. Et bien, vous pouvez mettre des anti-œstrogènes qui vont bloquer. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, comprenez que c'est forcément efficace de faire cette démarche. Mais vous comprenez aussi qu'il peut y avoir des effets secondaires. Mais les effets secondaires, ce n'est pas tant l'effet secondaire des médicaments que de la carence hormonale. En fait, ce n'est pas les médicaments qui sont toxiques directement, c'est le fait de manquer d'hormones qui peut être toxique. Et donc vous comprenez que, ben oui, s'il n'y a pas d'hormones, la peau sera plus sèche, des bouffées de chaleur, parce que le cerveau fonctionne moins bien, réagit moins bien. On se retrouve avec des raideurs articulaires. Voilà, on va le voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des récepteurs aux hormones dans les articulations. Voilà. Donc, on comprend que si on fait un traitement par anti-aromatase, où on bloque la production d'hormones, quels sont les effets secondaires ? Le risque d'ostéoporose dans le temps, ça ne se fera pas en 2 ans, hein, mais ça se fait en plusieurs années. On va réduire le volume d'hormones qui vont nourrir les os, et donc on favorisera une ostéoporose. Et puis, les articulations vont souffrir, on va être raide, le matin, en se réveillant. Et il faudra se dérouiller. Et parfois, c'est tellement pénible qu'une fois sur trois, ce n'est pas possible. Mais vous entendez bien que ce n'est pas le médicament qui attaque l'articulation, mais c'est les hormones qui manquent aux articulations. Ce qui est intéressant, c'est de retenir que du coup, cet effet secondaire est totalement réversible. Si j'arrête les traitements, ben, ça revient à normal. Donc il n'y a pas de danger à prendre ce médicament en particulier. Par contre, le tamoxifène. Je reviens en arrière. Le tamoxifène, c'est un anti-œstrogène, lui va empêcher les œstrogènes d'aller agir sur les cellules. Donc vous ne modifiez pas le volume d'hormones, ça fait tout autant d'hormones qui vont aller vers le foie. Et je dirais même plus, puisqu'il y en avait une partie qui allait vers les seins pour être consommée et qui n'est pas utilisée. Donc du coup, vous avez encore plus d'hormones qui vont vers le foie, plus de travail pour le foie. Et le tamoxifène, qui va en plus être transformé par le foie pour être efficace, et qui peut être mal transformé par le foie s'il ne fonctionne pas bien.
parce que ça marche pas comme ça. Et c'est là que l'on a des problèmes, parfois, avec le tamoxifène, chez certaines personnes, va être mal éliminé par le foie et donner une toxicité, que je résume ici, c'est vrai. Si vous réduisez 80 cancers, vous évitez 80 cancers, dans un cas sur 80, vous allez malheureusement aussi favoriser un cancer de l'utérus. J'aimerais juste dire que, en 30 ans, je n'ai jamais vu ça, en fait. C'est une possibilité. Mais si vous êtes attentif et que vous surveillez, si vous voyez que en prenant le tamoxifène, la femme se retrouve à avoir des saignements, un utérus qui s'épaissit à l'échographie, eh bien, vous avez bien la preuve que ça ne va pas. C'est en train d'agir là où il ne faut pas. Eh bien, on arrête, c'est tout. On arrête. On passe à autre chose. On prend un autre médicament. Donc, ce n'est pas compliqué. Si le médicament ne convient pas, il y a des signes, on l'arrête. Il y a une augmentation de la fréquence des cataractes. Elle n'est pas très importante, mais elle l'est, donc on surveillera. Ça peut augmenter la coagulabilité, donc plus de risque de phlébite. Alors, ce n'est pas un risque très augmenté, mais ça existe. Donc, là aussi, prendre pas de risque. Vous avez une opération, vous devez voyager, prendre l'avion, eh bien, vous ne prenez pas le tamoxifène le jour du voyage. Hein. Enfin, cet effet, il n'est pas par hasard. Le foie gère la coagulation. Vous voyez l'interaction ? Il y a une interaction, le tamoxifène est transformé par le foie, mal. Si vous avez ce type de signe, bon sang, évidemment, prenez pas de risque. On verra autrement le tamoxifène ou on réduit la dose. Voilà. Et on pourra avoir un effet, malheureusement, le tamoxifène est censé agir spécifiquement sur les seins. Mais on verra, malheureusement, ce n'est pas toujours aussi évident dans la vraie vie. Le tamoxifène peut très bien bloquer les récepteurs ailleurs, dans les articulations, dans le cerveau, et du coup donner des signes de bouffée de chaleur, de prise de poids, de sécheresse au niveau des tissus. Voilà. Donc, des effets secondaires qui s'expliquent, sur lesquels on peut agir éventuellement, si on a compris. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire médicalement? Il y a des choses. Mais sur le plan des soins complémentaires, on peut faire des choses aussi. Donc, on a bien dit que les douleurs provoquées par les anti-œstrogènes, ça va être surtout douleur des articulations. Mais on va nourrir, apporter autre chose, la silice. Le curcuma peut être intéressant pour l'effet anti-inflammatoire, mais ça ne va pas nourrir l'articulation. Ensuite, si vous avez des articulations qui souffrent, vous avez intérêt à avoir un système musculaire et tendineux qui fonctionne bien. Donc vous avez intérêt à bien nourrir ça. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'alcarnitine, Q10, et tous les cofacteurs qui vont avec qui sont indispensables. Hein, vitamine B, magnésium, calcium, vitamine D. Tout ça peut très bien être prescrit par naturopathe, médecin formé, personne formée en micronutrition, qui peut vous donner ce type de choses pour vous aider. Et voir si ça marche. Hein. Et puis l'activité physique, APA, c'est ce que j'ai noté. Alors ça, c'est le roi aussi pour améliorer la tolérance, le confort, la puissance, voilà, pour mieux tolérer ces médicaments. La fatigue. J'ai dit tout à l'heure, les œstrogènes, ça vient nourrir, c'est un amortisseur. Mais les androgènes, pour les hommes, c'est un peu, je pourrais comparer dans une voiture, c'est la puissance du moteur. Hein, un moteur qui a plus de couple, on le sait bien, nous les hommes, quel plaisir de conduire une voiture qui a un couple, qui a de la puissance. On peut doubler facilement, on peut coller à la route dans les virages. C'est une voiture qui va avoir une conduite plus souple. Ça donne plus de puissance. Voilà, c'est ce que font les androgènes. On a plus de puissance musculaire, plus de force. Mais c'est pas que, et c'est aussi le cerveau. Hein. Et si ça manque, on aura aussi des bouffées de chaleur, comme pour la ménopause chez les femmes. Hein. Donc là, c'est les muscles qui souffrent, eh bien, donnez-leur ce qu'il faut pour les aider. Activité physique, et puis des compléments, c'est les mêmes que tout à l'heure, pour aider le muscle à bien fonctionner. Et puis des substances comme rhodiola, ginseng, guarana, qui sont adaptogènes, et qui vont aider à aider le corps et le cerveau à être un peu plus puissants, plus réactifs. Pas forcément stimulés, mais réactifs. Et puis l'ostéoporose, ça c'est un problème commun, que ce soit qu'il y ait une carence androgène ou oestrogène. Eh bien, si l'os sera moins nourri, eh bien, là, il faut apporter quelque chose en compensation. Vitamine D, la silice, tout ce qui va nourrir la matrice extracellulaire. Hein, la matrice extracellulaire, c'est tout ce qui nous soutient. Tout ce qu'il y a en dehors des cellules. Eh bien, le collagène, des complexes nourriciers. Et l'activité physique, n'oubliez pas, quand on stimule l'organisme, il a tendance à se réparer mieux, à être plus fort. Et donc, ça aussi, encore une fois. Voilà. Et puis, le cerveau, on peut le soutenir. Alors, si c'est des problèmes cognitifs, c'est-à-dire j'ai des problèmes de mémoire immédiate, d'attention, eh bien, c'est rhodiola, hein, qui permet d'être... Il y a d'autres substances, mais rhodiola est vraiment une substance reine. S'il y a de l'anxiété, ben, c'est la sérotonine, c'est pour le soir. Si c'est la sérénité. Et si c'est de la dépression, manque d'envie, la dopamine du matin.
Et puis toujours, pour le cerveau, il lui faut toujours des bases que sont la B9, B12, à dose physiologique bien sûr, le magnésium, le fer, le zinc, cuivre, vitamine C. Il faut pas mal de choses. Si on manque de fer, par exemple, on est fatigué. Pas simplement parce qu'il y a une anémie, mais aussi parce que le cerveau en a besoin. Voilà, je résume et je termine en fait sur cette diapo. Elle résume tout, hein. Vous avez, si vous comprenez ça, avec les médicaments, on agit sur cette première partie d'en haut, on coupe le robinet d'eau, en réduisant le volume d'hormones, moins il y aura d'hormones, moins il y aura de stimulation, moins il y aura de travail pour le foie. On réduit le volume d'hormones qui vont aller stimuler les cellules cancéreuses, les nourrir. Mais on verra, il y a une deuxième partie qui est super importante, c'est que ces hormones transférées par le foie vont revenir, mais revenir en boomerang, encore plus efficace, si je puis dire, encore plus stimulante que les hormones naturelles. Elles vont revenir sous forme toxique et irritante. Et là, ça va être dangereux pour les seins, les organes génitaux, mais aussi pour la prostate des hommes. C'est là qu'on va voir l'initiation de cellules cancéreuses, on verra ça. Et, pardon, mais c'est celui-ci mon dernier schéma, pour montrer, en fait, hein, sous forme très scientifique, mais je vais vous montrer que ça part encore une fois de la science, tout ça. Les hormones, ce que fait actuellement l'allopathie, c'est uniquement le trajet. On part du bleu, vous voyez, métabolites, c'est qu'ils sont transformés en hormones actives, et ces hormones actives vont être transformées par le foie. Et elles vont sur le côté 16. Elles sont hyperactives, elles deviennent hyper stimulantes. Nourrir, et c'est la gros carré orange, les hormones, elles ont un aspect hyper nourrissant. Et c'est ce qu'on appelle la promotion. Mais ce qui est oublié par l'allopathie, c'est que les hormones peuvent partir dans l'autre direction. La voie 2, ça c'est la bonne voie, qu'on peut stimuler et aider. C'est la voie des hormones protectrices. Ça peut partir par la voie 4, où malheureusement c'est une voie dangereuse, qui peut aller vers une voie neutre, s'il y a ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas ce qu'il faut, ça va tout en bas. Et ça fabrique des substances non seulement hyper irritantes pour les cellules cancéreuses, qui sont cancérigènes, et même hyper stimulantes les deux. Et là, on voit que l'impact est au-delà du cancer du sein. C'est le cancer de prostate. C'est d'autres cancers, même le cancer du poumon, peut être favorisé. Pour conclure ce premier épisode, vous comprenez l'histoire ? Il y a, je vous rappelle, la cancérogénèse, initiation, promotion, prolifération. Trois étapes. Il faut les trois pour que ça marche. S'il y a une initiation, ça veut dire des cellules qui vont provoquer la transformation des cellules en cellules cancéreuses. Il faut donc une attaque, quelque chose qui transforme. Et là, c'est l'excès de substances agressives. Et là, les œstrogènes, je vous l'ai montré, le sont, peuvent l'être. Et puis la phase 2, vous la voyez ici, la phase de promotion-prolifération, c'est quand les hormones viennent jouer un rôle nourricier. La testostérone dans le cancer de prostate, les œstrogènes. Et puis dans d'autres histoires, on peut parler du sucre, de l'insuline et autres, les facteurs de croissance. Donc vous voyez, phase 1, phase 2. Et donc, si on a ces deux choses-là en face de nous, on comprend que l'histoire des traitements médicaux se résume là-dessus. Que je sois clair, j'expérimente ça tous les jours. Les médicaments, les hormonothérapies sont très efficaces. Je sais qu'elles font peur. Je vois des patients toutes les semaines qui m'en parlent. Mais regardez, les anti-aromatases, dans le cancer du sein, c'est 66% de réduction de risque de récidive après un cancer du sein. Le tamoxifène, c'est 50%. Mais, et j'ai bien mis « mais » et puis je mets « et », il y a d'autres approches complémentaires, et je n'ai pas dit opposées, qui peuvent venir soutenir cette hormonothérapie, ou parfois remplacer cette hormonothérapie quand elle n'est pas possible, parce qu'elle n'est pas bien tolérée ou contre-indiquée. Et je cite en vrac, et on le verra dans les épisodes à venir, je rappellerai que l'activité physique, c'est 25% de réduction de risque, et c'est pratiquement tous les cancers, ça joue un rôle. La vitamine D, je vous en ai déjà parlé, c'est 20% de risque de récidive à elle seule. Le soja, oui, le soja, on en parlera dans l'épisode 3, 32% de réduction de risque de récidive après un cancer du sein. Le jeûne nocturne, je vous renvoie au colloque qu'on a fait récemment début décembre. Regardez-le. Le jeûne nocturne, c'est 36% de récidive en moins. Les multivitamines, le simple fait de prendre des multivitamines après un cancer du sein, 30% de décès en moins. Et puis le PACT, le programme qu'on développe à ressources, hein, qui prend tout ça en main, en fait, finalement, qui globalise cette approche. Activité physique, gestion du stress, alimentation.
je retravaille mon projet de vie, je redonne un sens et une direction à ma vie, eh bien c'est plus de 50% de réduction de risque de récidive. Et je vous ai mis tout en bas. Améliorer le métabolisme hormonal des œstrogènes. Eh bien alors, et ça? On l'a montré sur le truc, c'est essentiel. C'est la plaque tournante, le foie. Eh bien, on va le voir dans l'épisode 2. Je n'ai pas, effectivement, d'études chiffrant l'efficacité, mais là, c'est ce qu'on appelle le bon sens, un des piliers de l'humanité. Le bon sens qui nous dit que c'est intéressant et qu'il y a une voie à explorer. Je vous invite à le découvrir dans cet épisode 2.